Ok, c'est le grand jour des consultations foraines gratuites. Ouais, derrière moi, il y a plusieurs bâches. C'est des personnes qui sont venues se faire soigner gratuitement. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Vraiment, le ministère Message de Vie tient à ne laisser aucune personne en marge. Donc, ils viennent, on les soigne, ils repartent avec leur ordonnance. On prend encore l'ordonnance et on leur donne les médicaments qui ont été prescrits. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des maladies que les hommes peuvent guérir. Il a dit tu peux aller à l'église. Et là, mais, à Missa. Mais tu peux ne pas être sauvé. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas reçu Jésus, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Jésus est venu. Que ceux qui croient en lui aient la vie. Mais il soit dans l'abondance, il soit dans la paix. Elle a mon père. Voilà ce matin, tu es venu te faire soigner. J'ai dit à mon fils, tu connais un poisson. C'est cadeau, tu ne vas rien payer. Fata et un fou de quoi. Mais ça ne veut pas dire. Mais. Que les médicaments qu'on est venu avec. À ma fille, ça ne veut pas dire qu'on nous a donné ça cadeau. Et il a dit, là, il est tout fata. On a acheté pour venir te donner ton cadeau. Oui, on a un bois, C'est des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Quand le pasteur veut aller quelque part. Et le pasteur a une vidéo. Il prend son argent. Et là, il sait quoi. Et puis on cotise chacun. Mais et on vient, on achète beaucoup de choses. Mais on vient vous donner cadeau. Donc ce qu'on vient vous donner cadeau, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas acheté. De la même manière. Jésus, pour que toi tu aies le salut, pour que toi tu sois sauvé, c'est lui qu'on a blessé, c'est lui qu'on a chicoté, c'est lui qu'on a insulté, pour que toi tu sois sauvé. Maintenant si on vient te donner le cadeau, que tu refuses, nous on peut rien faire. C'est pourquoi le pasteur a dit hier, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Que ta vie soit sauvée. Pour que ta famille soit sauvée. Pour nous faire une donc ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir le cadeau que Jésus veut lui donner? Qui veut que Jésus entre dans son cœur? Si tu as la lève à main, alors vous allez dire, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois pour me lever dans mon cœur, représente-moi. Viens Jésus, viens me sauver, pardonne mes péchés, et que je sois dans ton paradis.